Blottie dans un méandre du Doubs, la réserve naturelle nationale de l'île du Gérard recèle de nombreux milieux humides. Ces espaces dépendent étroitement du fonctionnement naturel de la rivière. Les berges abruptes, érodées par les crues, offrent aux martins pêcheurs, aux guêpiers d'Europe et aux hirondelles de rivage des falaises pour y creuser leur terrier. Les boisements alluviaux et les roselières permettent aux hérons de se reproduire en toute quiétude. Mais les rivières naturelles sont progressivement remplacées par des cours d'eau aménagés, où la biodiversité est réduite à sa plus simple expression. Ainsi, il faut plus que jamais restaurer et préserver l'état sauvage des rivières pour que la nature y retrouve ses droits.